Merci pour votre présence. Je voudrais remercier pour l'autorisation. Vous savez, avant d'utiliser une chanson contre le Baha, Dibamoutou, Vogalamoutou et Lokamoutou, ils ont important aussi dans la région l'autorisation. Et puis après, autorisation dans la prison. Même la partage à la droit, il faut fouiller par vos adversaires pour tout. Oui, américain. Donc, on a dit, bon, auteur, compositeur, c'est grand maître Franco Lopé Machiavelli, auteur Franco Efali, parce que dans ce moment, on va couper. Hein? Merci à toi.
Alors, chers amis, si nous sommes ici, c'est parce que le 20e siècle a croisé le 21e siècle. Une légende du 20e siècle a croisé une légende du 21e siècle. À travers une œuvre. Et je pense que le résultat est là. C'est un disque d'or. Nous sommes là parce que la chanson que vous venez d'écouter, c'est Mario. Cette chanson qui a pratiquement dominé le continent pendant 3 décennies. Mais aujourd'hui, un jeune artiste avec une autre vision relook la chanson et il met sa touche personnelle. Cette chanson qui hier avait pratiquement dominé le continent, aujourd'hui devient un titre planétaire. C'était Mario, mais aujourd'hui c'est Lady Di. C'est pour vous dire que les artistes ne meurent pas. Les artistes restent éternels. Aujourd'hui, le grand maître Lombo Makiadi de Myanmar, d'heureuse mémoire, serait un homme heureux. Parce qu'il est entré dans le panthéon des immortels avec ce titre qui, désormais, est devenu un disque d'or. Chers amis, soyez heureux de vivre ces moments magiques. Parce que ça n'arrive pas pour nous de croiser 2 générations dans un même titre. Et ce titre a explosé le monde en tant que disque d'or. Je ne peux que remercier les 2 artistes, parce que l'autre l'a posé et l'autre l'a remonté. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce titre? Alors, je ne monopoliserai pas la parole. Je vais demander à une amie très chère, qui est dans le métier depuis 3 décennies, qui aujourd'hui est considérée parmi les meilleures quand on parle de la jeune féminine. Applaudissez pour Mamie Hilaire, s'il te plaît, approche-moi. Mamie Hilaire, bonjour. Bonjour, Dieu. Un mot pour ces 2 générations qui se croisent dans un seul titre qui aujourd'hui est devenu un opus planétaire. Merci. Merci. Merci à Fanny de nous avoir fait revivre Luambo d'une autre manière. Moi, je n'ai pas connu Luambo. Quand il était à Terre des Hommes, je n'étais pas encore dans cette profession. Mais Franco, on a toujours vécu avec Franco à travers sa musique, à travers les énigmes, le concours que nous avons trouvé dans la profession, qui est resté un grand ami à Franco jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, il fallait un petit peu ça, là, ton poste. Ton poste, Franco. Vraiment, on se le dit à Boana. Nous sommes les 7 Mamaki et 10 Mamaki Pé. Des concours, je pas à Louboli, à Boa, à Tomboli, à Boa et Boti Bouba. Et là, ils disent que donc, c'est tout ce que nous voulons dans ce Congo démocratique, Loa Nicolas. Fanny, merci. Merci encore une fois. Et si on va à Loa Poké, Dalias Bazali. Dalias Kaza, Loa Lévi, Bazali. Le droit à Loa Poké, c'est pas un problème. Enfin, Fanny, merci. Merci, monsieur. C'est ça, Fanny. En tout cas, merci beaucoup, Loa Nicolas. Moi, j'ai eu la chance de croiser le grand maître, parce qu'à l'époque, j'étais DJ, je travaillais ici au-dessus. Ah ouais? Au sexy pop. J'étais très jeune, j'ai croisé ce monstre, ce génie, ce chien, parce que nous, il était en avance par rapport au temps. Le grand maître Luambo, c'était son temps ici. En tout cas, merci beaucoup, Mamie Hilaire. Kadima Charlie, s'il te plaît, tu as un mot pour nous? Sous vos applaudissements, bien sûr.
Alors, Charlie, quel dimanche, quand tu es dans ce monde depuis pratiquement 8 et 19 heures, certifié, s'il te plaît. C'est pas des trucs de Gabriel Roy, c'est certifié. Merci, Joe, pour la parole. Je commencerai par dire un très grand merci au grand maître Langue Maquette du Franco, qui était un monument. Ici où nous sommes, moi je l'appellerai grand maître, parce que nous sommes dans le sanctuaire de la Roma, l'un des sanctuaires de la Roma, où nous sommes. Plusieurs cultes qui célébraient la Roma congolaise en début d'ici. Mario, un chef-d'œuvre qui a traversé le continent, comme vous l'avez souligné, aujourd'hui revisité par un jeune qui est de la génération, en tout cas inférieure à celle de grand maître Franco. Et aujourd'hui, obtenant un disque d'or, bravo, bravo à Fally Ipupa. Il faut arriver à le faire. Il faut souligner qu'il y a d'autres artistes qui ont eu à interpréter les œuvres de leurs aînés. Je suis prêt, dit je crois pas, parce que si c'est là, je ne suis pas d'accord. Mais c'est là que j'ai obtenu un disque d'or aujourd'hui, porté par Fally, Mario. Fais le tour du monde, Charles. Merci beaucoup, l'applaudit pour lui. Merci, merci, merci. Donc, cela prouve aujourd'hui qu'Elmigno a à peine une autre dimension. C'est devenu un extraterrestre. Tout ce qu'il touche devient de l'or. Elmigno, viens nous expliquer un peu ton fait, s'il te plaît. Sous vos applaudissements. Alors, Elmigno, oui, Adjo, explique-nous un peu, c'est quoi ton secret? Mon secret, c'est le travail, pas de distraction, pas de comodité. Parfois, c'est vraiment important. Non, c'est le travail, c'est la vision, la détermination. Alors, pourquoi avoir choisi cette œuvre pour relouquer cette œuvre à ta façon, pour donner ta touche personnelle? Déjà, je pense que j'ai le droit quand même, en tant qu'artiste, et surtout même en tant que Congolais, de perpétuer nos légendes, le travail que nos papas, nos aînés ont tracé, ont légué, ont laissé pour nous. Moi, Mario, je pense que pour tout le monde, d'ailleurs, c'est un titre qui a traversé le continent du monde. J'ai souvent l'habitude avec moi, mon père était un grand fan de Félix Mamet, qui a dit à la maison, on écoutait les albums, les chansons, à l'époque. Donc, en grandissant, j'avais quelques mélodies, quelques chansons, entre autres, des grands artistes qu'on voulait, mais plus franco. J'aimais le papa Mamet, qui a dit. Et voilà, quand j'ai commencé quand j'ai choisi de faire ma carrière solo, j'ai révisité pas mal de titres, ça c'est le premier, c'est pas le premier d'ailleurs, mais avec mon frère et ami Mongo, à chaque fois en échange, je demande toujours l'autorisation. Je pense que j'en ai demandé deux ou trois. Le premier c'était on a révisité la chanson Non, que j'ai intitulé, j'ai modifié Message. Donc c'est juste pour vous dire qu'il faut quand quelque chose est bien, il faut essayer de la copier. Et puis surtout reconnaître le travail qu'avait fait le propriétaire de l'œuvre. Donc moi, j'ai l'honneur de remettre ce disque d'or participatif posthume à ce grand homme qui nous a laissé Franco dans le Bukali. Mais je pense que ce n'est pas le premier, car on a déjà pour cause deux golds qui tendent vers le disque d'or. C'est donc on rendra sûrement un autre disque pour le compte de Message. Ok, en tout cas, on peut discuter fort. Alors, mon frère et ami, donc, s'il te plaît, Mongo, viens nous rejoindre sur cette scène mythique et magique où ton père nous a démontré que c'était un des meilleurs de sa génération. Pourquoi pas le meilleur?
bonjour mon grand. Bonjour. En tout cas, merci pour cette offre que tu nous fais. C'est vous qui m'avez la place. Alors, un mot par rapport à l'œuvre de ton paternel et un mot par rapport à celui qui l'a relouqué avec sa touche perso. Je vais raconter une histoire, ça prend 5 minutes, mais l'histoire de ma vie. En 82-83, micro. En 82-83, Franco part en Europe avec la tête, en 82-80, et Simaro rentre avant. Quand Simaro est là, il fait Maya. Et quand il fait Maya, Maya c'est un carton. Micro. Maya c'est un carton. Mais un carton c'est un carton, je pense que vous connaissez. Et Franco appelle Mandzenz et dit, ah, mais maintenant, à Bétiello, tu sais que pour le moment, ça passe. Et Mandzenz a dit, oui, il y a quand même trop. Et il est resté un mois et demi chez nous à Bruxelles, au Vérez. Un mois et demi, il ne sortait pas. Et il cherchait qu'est-ce qu'il pouvait remettre en Simaro en échange. C'était une rivalité loyale entre deux frères. Et il a réussi à sortir deux titres, Mamou et Mamou. Et ces deux titres-là ont vraiment partagé son bon produit pour le remettre. Donc voilà l'histoire. Et aujourd'hui, ça fait 35 ans qu'il est parti. Chaque année, mon père a mis un rite à son. Moi, je rends hommage au musicien qui l'a fait. Je suis Madino. Parce que sans eux, on ne peut pas être. Donc, il faut vraiment leur rendre hommage. Je demande à la police. Applaudissons pour tous ces musiciens qui aujourd'hui ont contribué à la grandeur du grand maître Franco Lambo Machiavi de Miamande. Et maintenant, je vais demander à Eddie Badiata, enfin, la cerise sur le gâteau. Ce titre certifié, on ne parle pas de l'ambo, on parle d'un titre certifié. Un disque d'or certifié. Alors, Eddie Badiata. On va le découvrir ensemble. J'espère que mes rêves vont ramener le mien. Parce que jamais. Il en a des temps. Alors rapidement, un sentiment pour ce disque d'or et mon goût. Attends. Allez, Mango, ensuite. Je voudrais pour l'autorisation, vous savez, avant d'utiliser une chanson contre le Baha, c'est pour mon tout, vocal pour tout, et l'homme pour tout. C'est important que si on a toujours autorisation, et puis après, autorisation dans la vie. Même dans le partage à la droit, il faut. Oui, il va vous reverser les photos. Oui, à mériter. Donc, mon deuxième rôle, auteur, compositeur, c'est grand maître Franco Lambo Machiavi. Auteur Franco et Fanny. Parce que dans ce moment, on va couper. Hein? En tout cas, et puis, j'espère qu'on va essayer d'apprendre. Tout là, ça va tout quand même. Bon, tout là, ça c'est un peu. On va arriver qu'il va tout prévenir. Mais comme il va vous passer le message que dans la génération de Tétoya, il est important pour restructurer ma table. Et j'espère que deux mots on a voué ma droit pour un jour continue à faire le même retour et combien de millions de singles n'a et mongo n'aï nous partageons équitablement. J'espère que tu peux confirmer dans deux mots de toi ma droit et dans la partager. Et oui, voilà le disque d'or. En tout cas, Mamou et Mongo. Au nom de toute la famille Mongo, on veut te redemander merci à Fanny. Il n'était pas obligé de le faire. Maintenant, on va commencer à bêler.
comme un ouïe de bébé Tchad. Donc, il faut vraiment le remercier. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. C'est le deuxième qu'on fait. Il y a un troisième projet. Troisième état déjà pour l'artiste Nana Chimel Folo. Aziga, moi, pour moi, tu m'as écouté. Oui. Oh, quatrième alors. On va travailler, voilà quoi. C'est au nom de, des enfants, d'abord orphelins. Vous êtes une famille, merci. Et pour moi, vous êtes là. Vous êtes aidé, toujours. Mais par contre, peut-être des lots pour le foot, parce que nous avons accès à Mzela, on va dire merci. Merci. Alors, en tout cas, merci à tous. Là, il y a également la présence de Papy Boma. Papy Boma qui est un chroniqueur de ce pays et que j'aimerais qu'il approche pour sa touche perso. Pour y avoir un moment, moi, Jean. Approche. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci Papy. Alors Papy, s'il te plaît, impressionnant sur cette manifestation et surtout pour ce disque d'or, Oyo, les Didi et les Ticozo. Bonjour déjà, félicitations Fali. Alors je vais le résumer juste en une phrase. Le savoir-faire conduit au mérite. Franco Luambo nous a laissé cette bonne musique là-bas. Le savoir-faire des Fali a conduit au mérite et ce mérite, c'est ce disque d'or que nous avons. C'est tout ce que je vais dire et félicitations aux artistes. Merci. Alors merci. Et il y a également l'honorable Zachary Bababassoué qui vient d'arriver sur la place. Le Mola. Alors, le Mola, je te prends à pied levé. S'il te plaît, un mot pour d'abord ce disque d'or, pour le grand maître Luambo. Et pour ce sanctuaire de la rumba qui n'est autre que l'un de trois. Un mot, le mot là. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis très heureux d'être dans ce temple de la rumba où le maréchal Mobutu Sassi, avec tous ses invités, notamment le président Ofé Boigny, pour être témoin de cet événement et saluer la grandeur de l'artiste qui a voulu honorer le grand maître Luambo Makiadi, d'heureuse mémoire. Et la chanson Le Didi a été tellement à tous les répertoires et à toutes les fêtes que ce qui arrive aujourd'hui n'est que normal. Je veux donc remercier Fali Poupa, son staff, ainsi que la famille Luambo pour ce bel hommage et ce beau cadeau fait à la rumba congolaise. Parce que ici où nous sommes, c'est un endroit qui a été témoin de la création et de la naissance beaucoup de groupes, des réconciliations d'orchestre et des familles. Nous sommes chez un des trois à Kinshasa, un musée vivant de la musique congolaise depuis la nuit des temps. Merci et bravo encore une fois à l'artiste qui fait la fierté de tout un continent et qui, comme Djokalani, qui partage la même nationalité que nous. Bravo Fali Poupa, bravo Luambo Franco. Alors, est-ce que vous pouvez applaudir pour El Niño? El Niño! Même les chefs piquets l'ont confirmé. En tout cas, merci. Merci El Niño. Bon sang également. Alors maintenant, nous allons vibrer un peu sur la musique de Lucky Jazz, le tout-puissant Lucky Jazz. Musique, s'il vous plaît. Tout-puissant Lucky Jazz, sous vos applaudissements. Ok, merci, Nicole. J'ai trouvé. Ok. Ok. Du cap, bisous la mission du jazz, te seigneur est long beaucoup. Ton bon disque d'or, moi les ai aggravés. Si quoi, orchestre, quoi, ils ont aggravé.
Thank you.
Thank you.